Eh bien salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed 4. Donc c'est le 26ème, et puis on va se diriger directement et tranquillement vers la nouvelle mission. On est à 93% de synchro complète, sachant que il me reste juste un coffre enfoui à trouver. Je sais pas du tout comment je vais faire pour l'avoir. Mais si je dois me taper toutes les machines. Il nous reste deux... Un truc comme ça, grossièrement... Ok, ouais. Il nous reste... Allez, 2-3 épisodes, peut-être, grossièrement. Donc, on va se diriger directement vers le prochain d'entre eux. Il faut qu'on aille à... Je sais plus où... Je crois que c'est tout au nord... Eh ben, je dis des conneries... Tout à droite... Principe... Voilà, c'est par là. Donc, on va se diriger vers là-bas... Je peux me diriger directement vers là-bas, je parie. Donc, l'endroit le plus rapide pour y aller, je dirais. Bon, allez, c'est par ici. Hop. Let's go. So. On dirige vers là-haut. On emmerde tout le monde. On va passer comme un mongol là-dedans. Je m'en bats les couilles. Je ne vous respecte pas. Ici pour les cadres de tissu qui ne me serviront strictement à rien. Je préfère quand même ce contre-maître là, il aurait dû nous mettre dès le début de jeu. Et donc là on se dirige vers Principe pour tuer Roberts. Roberts, cet enfoiré, ce gros enfoiré. Voilà. Ce gros enfoiré. Voilà, le mec ne sait pas quoi dire, donc il répète les phrases qu'il a dit il y a 2 minutes. La fin de l'âge d'or. C'était un grand navire, le Royal Fortune. Robert. Il a pas fait de quartier, ce diable sait que tu es. On va le buter. Je vais le buter. L'attaque et la prise, on s'en fout. Vite, 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 traverse la colline. Permet désormais de fabriquer bourse à dague à corde. Tuer les gardes en détruisant des barils de poudre. D'accord. 8, j'en ai tué 8. C'est un foutage de gueule. Ah oui, d'accord. Bon, bah allez, à la bye. Bye, bye, bye. Oh, on voit les poiscailles. Oui, je pense que j'ai déjà vu ça dans le jeu, mais que... Voilà, ça m'a échappé. Je vais te niquer. Voilà, il y a le symbole pirate. Donc faut que je tue 8 et... 8, c'est ça? 8 ennemis en tirant dans les... Bon, là, il n'y a pas de truc à péter. Là, il y en a. Comment je fais pour civil?
Toi t'es mort. Putain t'es pas mort en plus. J'aurais dû le laisser où il était en fait. Bon, sinon j'ai quoi d'autre à faire? Tuer les gardes en détruisant des barils de poudre. Ok, c'est tout ce que j'ai fait. That's all. Merde, je me suis fait caler. Merde, merde. Oh no. C'est quoi tout ce peuple là d'un seul coup? Salut. Il fait que passer. Il n'y a pas un autre endroit où il y aurait des barils de poudre où je pourrais tout faire péter. Hey, suivez-moi, suivez-moi les gars. Hey. Salut toi. Un pec, voilà, j'ai le compte. Le compte est bon. Bon, je vais avoir un peu de taf. Grossièrement, on peut dire qu'on s'en bat les couilles. Donc, on va continuer. On va monter. C'est génial les épées pistolets, j'aime bien. Mais qui ose me poursuivre? Un spectre venu me hanter? Ou les résidus décharnés de celui que j'ai envoyé en enfer? C'est un peu la même chose. Ben, je dis ça, je dis rien, après tu... Hop, on tourne. Hein. C'est pas lui que je cherche. Where is Brian? Là-haut. Capturé. Aïe. Il fait quoi lui? Oh merde! Bon, total foiré. Hop, on recommence. Ouais, non, je préfère pas recommencer. Eh, du nerf! Comment ça avance? Oh, bon. J'ai visité toute la montagne. Est-ce que j'ai ma deuxième? Non. La voie est bloquée, capitaine. Merde. Un autre chemin. Oh bâtard. Merci au vent qui m'aide. On fonce vers les rochers, capitaine. S'en bat les couilles. J'arrive, ma gueule.
J'arrive, ma gueule. Ça te fait du bien, j'espère. Aïe, ça va tirer mal ça. Bon. Bon, allez hop. T'as pas envie de mourir. La vache. Et voilà, Lyon. Adieu. Quoi, t'es pas mort encore? J'ai dit niqué. Ok, d'accord. Donc en fait, à mon avis, c'est fait exprès comme ça. Allez, on a toutes nos chances d'y arriver. Non. Je dois récupérer l'appareil à son bord. Il va falloir que je l'aborde. Tuer avec une dague à corde. Oh, yeah. Ça, c'est du défi, ma gueule. Par l'enfer, Kenway. Comment rester impassible devant toute l'attention que tu m'accordes? Que le meilleur de nous deux chante les louanges de l'autre. Salut ma gueule. Bon. Où je pourrais pendre? Il n'y a plus d'endroit où je peux me... Ah si. Ah voilà. Hop. Voilà. Hop. Je suis un peu trop... Je redescends. Je te rassure. Comment tu fais chier? Comment je peux faire pour... Non, pas lui, je vois. Ouais. Mais lui, je m'en fous aussi. Je recorde. Bah oui. Hop, peut-être par ici. Voilà. Mais non, pas lui, je m'en fous de lui. Vise bien mon Zeus. Bon, il me reste deux cordes. Voilà. Le problème est réglé. Et courte, comme promis. J'ai vu juste depuis toujours. Quant à toi, Edward, as-tu trouvé la paix que tu cherchais? Je n'ai pas autant d'ambition. Pour moi, la paix n'est qu'un moment confus entre deux guerres. Tu es un vrai stoïque. Peut-être me suis-je trompé à ton sujet. Elle t'aurait sans doute trouvé à son goût en fin de compte.
Elle, de qui est-ce que tu parles ? De celle qui attend son heure. Au tombeau. J'espérais la retrouver, la revoir. Ouvrir la porte du temple et l'entendre prononcer mon nom de nouveau. Aït. Tu dis vague, mon ami. Hélas, comme tant d'autres. Je ne suis pas né à la bonne époque. Où est l'appareil, Robert ? De grâce, détruis mon corps, Edward. Les Templiers, s'ils me trouvent... Ouais, c'est fini là. Wesh, voilà. 80, 90, 100%. Génial. Oh.